Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour faire des intros de morceaux en jazz manouche, pour improviser des intros sur des morceaux a priori qui n'ont pas d'intro, sachant qu'il y a certains morceaux qui ont des intros spécifiques. Je pense à I'll See You in My Dreams, à Si tu savais, même si ce sont des intros très très simples, des fois, ça c'est une intro très facile. I'll See You in My Dreams, il y a aussi Les yeux noirs. Il y a plein de morceaux où il y a des intros spécifiques, mais là on va voir comment faire des intros sur un morceau, disons All of Me ou Out of Nowhere, des morceaux qui a priori n'ont pas d'intro qu'il faut apprendre au préalable. Donc, on va prendre le morceau Out of Nowhere qui est en sol majeur, et on va voir une intro, l'intro probablement la plus couramment utilisée, la plus couramment jouée en jazz manouche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cet enchaînement d'accords-là. Avec une variante. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire d'abord ça, et ensuite ça, et le morceau va commencer. Alors, pour faire ça, la première chose, c'est, donc je prends le cas d'une jam session où vous vous mettez d'accord pour faire une intro. C'est déjà de dire que vous faites une intro, je fais une intro et on part. Et avant de commencer votre intro, il faut battre la pulsation et vous chanter le thème dans la tête au tempo que vous avez choisi. Donc out of nowhere. À ce tempo-là, c'est peut-être un peu trop rapide, c'est un morceau qui joue plutôt lent. Donc on va faire. Voilà. Vous écoutez, vous chantez le thème avec le tempo, vous battez la pulsation, ou vous battez la pulsation dans la tête, et après vous prenez cette pulsation pour faire l'intro. Donc si je fais tic tic, c'est pas la bonne pulsation, j'ai beaucoup ralenti. Donc comme ça, je peux même demander à tout le monde si ça va, ce tempo-là, tout le monde est content. J'y vais. 1, 2, 3. Voilà, je le refais avec l'intro que je m'étais donné, donc c'est des accords un peu différents. 1, 2, 3, 4. Et là, le morceau commence. Ces accords-là, on peut les faire plaquer ou bien un petit motif d'accord arpégé égrené comme ça. Éventuellement un stop. Il y a plein de variations, mais ça, à la limite, c'est pas très important. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de faire quelque chose qui est très simple. Il faut juste que l'intro, ça fonctionne, en fait. C'est ça le plus important. Justement, à ce sujet, pour que le départ se passe bien, il faut faire comprendre, lorsque vous faites votre intro, à quel moment ça va démarrer. Et l'idéal, c'est de regarder les musiciens à ce moment-là. Donc, ce que je peux faire, si je prends ce morceau-là, je joue mon intro. Là, je lève la tête vers le saxophoniste qui va faire le thème. Là, le morceau, il part. Donc, je lui ai fait comprendre à quel moment j'avais envie qu'il démarre. Parce que j'aurais pu en refaire une deuxième d'enchaînement d'accords. Donc, ça, c'est. Il faut que ce soit clairement suggéré. Est-ce que tu es d'accord pour commencer le morceau? Ok, c'est parti. Ou alors, même si c'est moi qui fais le thème, il faut que je fasse comprendre à tout le monde qu'il faut qu'ils accompagnent puisque je vais faire le thème du morceau. Ce qu'on peut faire, c'est voir comment jouer ces accords-là dans une autre tonalité si on fait par exemple All of Me, qui se joue plutôt en Do majeur et un tempo en général un peu plus rapide. Donc cet enchaînement d'accords, ça va se jouer comme ça. Ce sont les mêmes accords mais transposés. Hein. Le morceau. Donc là, si je prends un tempo plus rapide, peut-être que je vais faire deux fois cet enchaînement d'accords. Donc là, je me chante le thème, la pulsation. 1, 2, 3, 4. Encore. Et là, j'attaque le thème.
pour illustrer une autre intro qu'on peut faire sur les morceaux beaucoup plus rapides. Toujours un morceau majeur, Them That Rise, on va prendre. On va faire une intro, l'intro que Birelli utilise sur le morceau Djangology. Donc là, c'est plus des breaks rythmiques, uniquement sur le degré 1, sur l'accord de degré 1, avec un petit chromatisme. Donc, sur Them That Rise, ça va faire ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Etc. Je commence le thème. Donc au ralenti, ça fait ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 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 3, 4. Et ensuite, je fais des octaves sur la quinte de la tonalité, donc le La, dans les graves de préférence. C'est quelque chose que font les contrebassistes pour relancer à la fin de la grille. Je le fais en octave, mais je peux faire juste une note, hein, si c'est trop compliqué les octaves. Et ça, c'est, on appelle ça une pédale, et on les fait sur les 2 et 4. Donc, ça fait, au début, je fais le premier temps, et après, je fais les 2 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hop, j'ai commencé sur le 1 de la première mesure. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là on a vu des choses assez précises, au moins pour un peu canaliser le type d'exercice que vous pourrez faire pour travailler les intros. Ce qui est très important, c'est que tout le monde comprenne quand ça va partir, et aussi que ce que vous jouez soit... ça sonne en fait, même si c'est très très simple. Vous voyez que ça, c'est pas compliqué à jouer lorsqu'on est habitué à faire la pompe, c'est même un accompagnement de pompe classique, hein. Il n'y a rien de vraiment excellent dans cette introduction. Par contre, c'est clair, c'est sympa, et en fait, ce qu'il y a bien dans une intro, c'est qu'il y a un court moment où il y a un seul musicien qui fait un petit solo, en fait, et qui va lancer le morceau, c'est une introduction, du coup. Et c'est ça qui est sympa. Donc même si ce que vous faites, c'est pas incroyable, essayez souvent de faire des intros dans les morceaux, puisque en général, en jam, on n'en fait pas souvent, des intros. Je vous montre une petite intro qui fonctionne sur un morceau mineur, le blues mineur par exemple, blues en mineur, en sol mineur. Donc je vais faire ces accords. Là je regarde tout le monde. Et le morceau il commence. Si vous voulez aller un peu plus loin, ce que je vous conseille c'est d'écouter les introductions des morceaux de Django Reinhardt. Django Reinhardt et puis d'autres musiciens manouches, hein. Birelli Lagrène, mais il y en a plein d'autres. Essayez d'écouter quels sont les différents types d'introduction. Est-ce qu'il fait juste quelques accords plaqués comme ça? Il y a quelques introductions de Django qui sont vraiment très simples à jouer, comme celle-ci, si tu savais. Donc essayez de bien écouter comment il fait. Est-ce qu'il fait un solo? Des fois il fait des espèces d'intros comme ça sur les accords diminués. Ou sur Belleville, il fait ça. Et après, le morceau, il part. Donc, il y a pas mal d'introductions différentes jouées par Django Reinhardt. Essayez de les repiquer ou de trouver les transcriptions sur Internet. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'avoir un peu plus confiance pour lancer des introductions dans les morceaux que vous jouez en jam session, par exemple, ou en concert.